Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape version 0.92. Nous allons voir comment réaliser donc ce petit logo en utilisant la nouvelle boîte de dialogue d'objets et notamment le mode de fondu pour chaque objet. Dans cette nouvelle boîte, chaque objet maintenant a un calque qui lui est propre. Donc là, je vous ai mis un petit descriptif concernant donc les nouveautés de cette boîte de dialogue et là, vous avez le lien vers donc le site Wiki Inkscape où il y aura donc toutes les nouveautés de cette version 0.92. Alors tout de suite, on va aller dans Fichier, Nouveau. On va aller importer notre modèle, donc Fichier importé. Voilà, le modèle est là, on fait Ouvrir. Je vais choisir Importation, je valide. Alors on va placer correctement notre image, donc on clique dessus avec ici l'outil Sélection, cliquer, sélectionner. Donc on clique dessus, on va le mettre comme ceci. Donc pour zoomer, comme d'habitude, la molette de la souris. On va aller ici dans dans la fenêtre calque. Donc je clique sur calque, calque en bas. On va tout de suite nommer ce calque en calque modèle. On valide. On verrouille ce calque. On clique ici sur le petit plus et on va rajouter un calque qu'on va appeler illustration. Et je fais ajouter. Là on va le laisser au-dessus du calque actif et on fait ajouter. Je vais tout de suite vous montrer donc la nouvelle boîte de dialogue objet. On voit que ça correspond en fait à la fenêtre des calques. Sauf que maintenant, voilà, le calque, un calque image a été créé par Inkscape dans lequel il y a notre image. On a ici donc la possibilité d'activer, de rendre visible ou de rendre invisible notre image, de la verrouiller. Là, on a un petit pictogramme qui indique en fait que c'est un objet. On a, vous voyez, un autre pictogramme ici qui nous indique que c'est un calque, c'est-à-dire qu'il y a trois petites feuilles. Et on a encore une autre, comment dirais-je, un autre visuel lorsque c'est un groupe. Alors rapidement, je vais vous montrer ce que c'est un groupe. Donc je vais faire deux rectangles, donc là j'ai un rectangle blanc, je vais tout de suite lui mettre une couleur rouge, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc il a le petit crayon et la feuille. Si je le duplique, CTRL D, tac, donc j'ai deux rectangles, je vais les grouper et on voit ici qu'on a donc deux petites feuilles. J'aurais pu faire, au lieu de faire CTRL G, j'aurais pu donc me mettre ici, sélectionner avec Shift les deux rectangles, faire un clic droit, à ce moment-là on a un menu déroulant, et sélectionner grouper. On a maintenant la possibilité de faire ça dans cette fenêtre. Une deuxième chose, là donc on a deux petites feuilles, si je clique ici j'obtiens trois petites feuilles et j'ai un calque qui apparaît dans la fenêtre des calques. Voilà, ça permet d'avoir un calque propre pour un groupe d'objets. Voilà, une autre chose, on peut changer la couleur au survol notamment des objets vectoriels. Donc je vais par exemple me mettre sur ce rectangle là. Alors pour voir au survol la couleur, il faut utiliser l'outil éditer les nœuds. Alors là c'est rouge sur rouge donc on voit rien du tout. Mais si je modifie, donc je clique là-dessus, je vais mettre par exemple une couleur verte. On n'oublie pas de mettre un alpha 255. Voilà. Et vous voyez, lorsque je passe au-dessus, eh bien maintenant j'ai un petit contour vert qui apparaît. Voici, ceci étant dit, voilà, on a un mode de fondu maintenant donc pour le calque ici, mais également pour chacun des objets. Vous voyez, hop, donc là on peut, avec la molette, on se met sur ici ce petit menu déroulant, et on joue avec la molette, et on peut changer facilement, vous voyez, le mode de fondu. Donc pour chaque calque, et également pour le calque groupe. Bon là on voit rien du tout parce que c'est que des couleurs rouges. Voilà pour cette petite présentation. Également, on peut donc appliquer un flou donc au groupe et pour chaque objet. Et également, une opacité. Voilà, bon. Petite présentation rapide. On va maintenant passer tout de suite à la réalisation de ce logo. Donc pour cela, je vais zoomer et créer. Donc je me mets bien sur le calque illustration et je vais créer un rectangle, donc avec l'outil créer des rectangles. Donc je me mets ici, je clique, je glisse.
Voilà, je vais convertir ce rectangle en chemin. Donc pour cela, j'utilise l'outil éditer les nœuds. Je clique ici sur l'outil convertir les objets sélectionnés en chemin ou Maj Ctrl C, clac. Je fais un rectangle de sélection pour sélectionner les deux nœuds qui sont là et je les déplace vers la gauche en appuyant sur Ctrl pour rester bien à l'horizontale. Voilà. Je vais déplacer cet objet vers le bas. Je vais maintenant mettre la bonne couleur grâce à l'outil pipette. Donc je clique sur la pipette ici. Je vais sélectionner la petite couleur qui est en bas, donc la petite couleur violette. Je clique ici sur l'outil créer, éditer des dégradés, CTRL F1. Je clique, je glisse. Voilà. Je vais maintenant récupérer la couleur bleue, celle-là par exemple. Donc toujours avec l'outil pipette. On vérifie bien que le petit rond là est sélectionné, c'est-à-dire qu'il a une couleur bleue. Et avec l'outil pipette, on récupère la couleur. On va créer, vous voyez, le petit triangle qui est là. Mais avant, je vais changer l'opacité de cet objet. Donc pour changer l'opacité, je me mets ici, dans cette petite case en bas. Je fais un clic droit et je vais mettre une opacité à 75. Donc je duplique cet objet, CTRL D, ou je peux également cliquer là-dessus. Clac. Avec l'outil éditer les nœuds, je clique dessus. On voit qu'il y a 4 nœuds. Donc je sélectionne ce nœud-là et je le supprime. Donc pour le supprimer, je peux cliquer ici sur le petit moins ou taper sur supprimer du clavier. Tac. Alors je vais supprimer ici les petites poignées. Donc pour supprimer les poignées, j'appuie sur CTRL et je clique sur le nœud là. Tac. Une autre possibilité pour supprimer les poignées de l'ensemble de mon objet, je sélectionne tout et je rends les nœuds durs ici. Tac. Alors je sélectionne, oups là, CTRL Z, comment ça se fait? Ah oui, j'ai pas verrouillé le calque. Alors on voit tout de suite que Inkscape, à chaque fois, il a nommé chaque objet, et chaque objet, on peut bien sûr lui donner un nom particulier. Par exemple, celui-là, je vais l'appeler 01, et celui-là, 02. Voilà. Donc je sélectionne ces deux objets, je les duplique, CTRL D, je vais leur faire un retournement horizontal, donc je clique là-dessus. J'active le magnétisme, donc pour activer le magnétisme on clique là-dessus, et également là, voilà, et j'aime bien moi activer tous ces petits paramètres. Maintenant je me mets donc ici dans le coin supérieur gauche de mon objet, je le déplace, et je sais qu'il est bien aligné lorsque j'ai cette petite information, voilà, qui s'appelle point de rebroussement. Je vais maintenant pouvoir appliquer la bonne couleur. Donc là, je vais remettre une opacité à 100%. Je vais utiliser l'outil pipette, récupérer la couleur bleue en bas. Je vais mettre cet objet au premier plan. Je vais utiliser l'outil dégradé. Hop. Alors pour avoir l'outil dégradé, il y a aussi le raccourci G. Donc je clique, je glisse. Avec l'outil pipette, je récupère la couleur ici, tac. Je vais diminuer l'opacité de mon objet. Donc je sélectionne ici la flèche noire. Ici je vais mettre, je vais faire un clic droit, je vais mettre à 75. Je vais placer cet objet à l'arrière-plan, tac. Je vais copier sa couleur et le mettre sur cet objet-là. Donc je fais édition, copier. Je sélectionne cet objet-là. Et je fais édition, coller le style. Le raccourci, c'est Maj, CTRL V. J'ai besoin de créer un autre triangle ici. Donc je sélectionne cet objet, je le duplique. Je sélectionne le nœud qui est là. Et je vais le placer à cet endroit-là. Voilà. Donc on va réaliser maintenant cette partie-là. Je sélectionne tout. CTRL D. Retournement horizontal. Je me mets ici en bas à gauche et je déplace. Et grâce au magnétisme, je suis sûr que l'objet est correctement placé. Je vais sélectionner donc cet objet-là, donc celui qui a 4 nœuds. Je vais mettre son opacité à 100%. Je vais le passer au premier plan. Voilà, je vais faire la même chose pour celui-là. Je le place au premier plan. Je remets son opacité à 100%, voilà, pour être vraiment bien travaillé et pour que ce soit plus facile. Voilà, plus facilement lisible. Donc là, je vais sélectionner l'outil pipette.
Je sélectionne la couleur verte. Outil dégradé. Je clique, je glisse. Outil pipette. Voilà, je vais mettre cette couleur bleue. Maintenant, sur cet objet, je vais sélectionner la couleur ici. Outil pipette. Je clique, je glisse. Et je vais prendre ce bleu-là. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, ces deux objets, je vais les mettre à l'arrière-plan. Paf. Je sélectionne cet objet. Tac. Donc, je fais CTRL-C. Et je vais, sur cet objet-là, lui appliquer la bonne couleur verte. Donc, je fais CTRL-SHIFT-V, qui correspond, comme on l'a vu tout à l'heure, à coller le style. Alors, j'ai oublié de changer l'opacité de l'objet. Donc, je vais mettre à 75. Et j'aurais dû mettre cet objet-là à 75% aussi. Donc 75. Donc je sélectionne cet objet. Je copie sa couleur. Alors peut-être j'aurais dû mettre ça à 75% d'abord. Donc clic droit à 75%. CTRL-C. Je sélectionne ici ces deux objets. Et je leur applique la bonne couleur. Édition. Coller le style. Voilà. Et voilà, on a réalisé facilement, vous voyez, le petit logo. Alors on peut grouper chaque objet, moi je vais laisser comme ça, c'est très bien. Peut-être ces deux-là, je vais les mettre au premier plan. Hein, donc pour cela, je les sélectionne. Hop, je fais un rectangle de sélection, je les mets au premier plan. Ces deux-là, je vais les mettre à l'arrière-plan. Et ici, ça, je vais le mettre... Alors, je vais les descendre et les monter d'un cran, tiens, tac. Peut-être les grouper. Ouais, ça doit être pas mal comme ça, les dégrouper. Voilà. Alors je sélectionne tout ça et je vérifie. Voilà, j'ai 10 objets qui correspondent ici. Voilà, à tout ça. Alors si je veux, je peux les renommer. Bon, ce qui peut être un peu long. Donc ceci étant fait, on va maintenant pouvoir passer à la réalisation de cet objet-là. Alors avant, je vais créer un petit fond rouge, donc je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un carré. Voilà, hop. Alors je vais récupérer la couleur ici, tac. Je vais mettre une opacité à 100%. Je vais faire apparaître la palette remplissage fond et contour, pardon. Je vais ici dans fond et je mets ici un dégradé radial, tac. Avec l'outil pipette, donc, je sélectionne ici ce petit rond et je vais lui mettre une couleur rouge. Paf. Donc, je sélectionne ici mon logo. Je le groupe, CTRL-G, ou je peux cliquer aussi là-dessus. Je vais le nommer ici dans la boîte de dialogue objet. Je vais l'appeler logo. Logo 1, paf. On a tous les éléments qui sont là. Vous voyez, on peut replier, ça c'est pratique. Pour que ce soit plus facile. Je duplique cet objet, CTRL-D, je vais le placer ici. Et je vais maintenant jouer avec donc le mode de fondu. Alors je ne vais pas jouer avec le mode de fondu de ce logo que je vais appeler logo 2. Voilà. Je vais rentrer dans le groupe, ou plutôt jouer avec le mode de fondu de chacun des objets. Donc pour cela, je me mets ici sur le mode de fondu et je vais choisir estompage de couleur. Et automatiquement, vous voyez ce qu'on obtient. C'est vraiment beaucoup plus sympa. Donc je fais CTRL A. Et on peut donc faire défiler ce qu'on va faire. Donc je vais me remettre sur normal. Et si je joue avec la molette de la souris, je me mets bien là-dessus. Je joue avec la molette de la souris. Vous voyez, automatiquement, on a un aperçu de ce que l'on peut obtenir. Et ça, c'est vraiment sympa. Et on peut choisir ainsi. Ah ouais, c'est bien. Donc j'ai dit estompage de couleur. Voilà. On va maintenant réaliser une petite déclinaison. Donc je duplique. Donc c'est important d'avoir un fond lorsqu'on joue avec les modes de fondu pour éviter d'avoir des petits bugs d'affichage. Donc là je vais mettre une couleur blanche. Je duplique donc le logo 2. Dupliquer. Hop, je le déplace. Alors petit problème, j'espère qu'il va pas me planter.
On va attendre un petit peu. Bon, je vais mettre sur pause. Voilà, donc c'est revenu. Je pense que je devais désactiver le magnétisme. Voilà. Et je vais placer ça au premier plan. Alors, vous voyez... Alors ça, je pense que c'est lié au fait que là, ce soit une couleur. Voilà. Ça, je vais mettre ça à l'arrière-plan. Alors, je vais... Donc là, c'est le logo 3. Je valide. Je vais sélectionner donc tous les objets qui sont dans le logo 3, c'est-à-dire dans le groupe logo 3. Et je vais mettre normal. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi... Le logo 2, il a perdu toutes ses infos. Voilà. Donc je vais l'aligner correctement. Je fais apparaître la palette alignée et distribuée. Tac, tac, voilà. Là, je vais en profiter pour bien l'aligner, celui-là aussi. Et je vais mettre ça en blanc. Et on va maintenant changer ici le mode de fondu de ces objets. Tac. Vous voyez, on obtient quelque chose de complètement différent. Et on va laisser voilà, lumière crue, ce qui a tendance à donner plus d'intensité donc, aux couleurs. Bon voilà, je vais terminer là pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.